Bon, voilà. Il est quelle heure même là? Il est 6h. Non, pas 6h. 5h30. 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 Voilà. Voilà. 5h30. Donc là, vous sortez du tribunal à 5h30. Oui, oui. Voilà. Ok. Oh. Vous allez à la prison comment encore? Tout est ici. Karl Moudouma, il est où? C'est le journaliste. Il doit venir nous faire le compte rendu là. Tu vas abandonner ma mère. Tu vas abandonner ma mère. Il est là. Oh. Donc là, vous repartez encore. Non, pas la prison. Nous avons fini au combat une bonne fois jusqu'à. Oh, mais ils vont vous laisser partir à la prison centrale. Non, non, on reste dehors. On reste dehors. Attention, ils vont pas passer. Karl, Karl, où c'est? Viens, mon frère. Eric, tu vas là? Tu rentres déjà? J'ai besoin de plus de là où je dois là. Non, pas la prison centrale. Alors, Karl, comment donne-nous un peu un aperçu là? Ah, c'est la lumière, on ne peut rien. Si on arrête la lumière. Dis-moi un peu. Mais non, on ne peut pas. Donne-nous un aperçu là. Il est quelle heure là? Tu n'as même pas la montre. Hein? Il est 5 heures. Alors, bon. Il est 5 heures. C'est à l'heure qu'on sort du tribunal. Donc, on est là depuis hier à quelle heure? On est là depuis 10 heures. Depuis 10 heures, le, comment on appelle ça? Vendredi à 10 heures. Vendredi à 10 heures. Nous sommes samedi. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. 5 heures du matin. Voilà. En tout cas. On est très satisfait. Bon. Vous voyez qu'il y a encore un peu le noir, mais les Gabonais sont là. Ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Mais ils ont bloqué là-bas. Mais Dylan Ping est où c'est? Le terroriste là. Mais tu n'as pas réveillé. Il est réveillé 4 fois. Il me dit qu'il se repose. Oh. Il pense que c'est à cause du climatiseur là. Hein. Le speed là. Il pense que c'est sa chambre. Il profite. Les gars parlent à fond. Tu vois que c'est le protocole militaire. Si les familles sont revenues. On a atteint un peu. Là où t'es marron là-bas. Mais on ne passe pas là-bas là-bas. On attend. Non, on attend d'abord. On attend d'abord. Maman va attendre. Ne précipitez pas, pardon. Ne prenez pas les balles perdues pour rien. On a déjà veillé là, c'est bon. Voilà, bon, en tout cas, on est fatigué. On vous dit que non, il est 4h, 5h, on a terminé. On est là depuis le vendredi à 10h. Bon, ceux qui savent lire droit là. Entre toi qui sais lire droit là, on retient quoi? On ne te voit pas. On retient quoi? Ils ont dit quoi? Ils sont condamnés avec sursis. Ils sont condamnés avec sursis. Ouais. Ok, d'accord. Donc Tony va recouvrer sa liberté aujourd'hui. Ouais. Il reste condamné avec sursis. Il perd son immeuble parce que je crois qu'il a dû utiliser un peu d'argent qu'il avait reçu dans le cadre de son bonus. Donc il va perdre son immeuble à côté d'Ali Badel. Et ils sont aussi condamnés à rembourser ou à payer quelque chose à l'État. Je crois que tu as les montants. Oui, 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 ok. Donc ça qu'on retient. Tony va sortir. Et purger le reste de sa peine à l'extérieur. À l'extérieur, ok, d'accord. Bon, voilà, Dylan Ping. Toi tu penses que c'est ton, chez toi. Il veut boire la bière. Pourquoi? Tu veux boire la bière? Tu vois plus la bière? Il a arrêté de boire. Il a arrêté de boire comment? Il a la transition, il ne boit plus. En tout cas, le peuple est là. Vous-même, vous voyez, c'est pas moi. On a veillé, le peuple est là. On a tenu bon. Voilà. On est resté là pour comprendre. Donc, mais les autres, on a cité qui? On a cité Ali Ben Bongo Ndimba. On a cité Yann Koudje. On a cité encore qui c'est? On doit citer Nouridine. Voilà. Sylvia. Tous les enfants Bongo, même ceux qui sont sur le territoire américain. Voilà.
On m'a pas cité parce que moi je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé, je n'ai pas eu le poste. J'étais opposant. Voilà, j'étais opposant à l'époque, activiste contre eux. J'ai bien assisté là parce que c'est le seul groupe au Gabon. On n'a plus d'autres groupes. On attend celui de Sylvie et son fils. Là, nous, on sort du snack bar tribunal. C'est snack bar tribunal. Là, on a découché. Hein. Vous, là, vous avez découché. Les femmes ont découché, les hommes ont découché. À ce qu'on va taper à la maison. Très bien. Dis-moi, tu prends une bière à côté. Le restaurant ouvert. Ah. Dit, là, le parquet, le restaurant du parquet. Il y a ceux qui vont devoir. Il y a ceux qui vont devoir remplir les demandes d'explication. Demande d'explication depuis vendredi, tu étais où? Bon, c'est un petit live chap-chap, hein. Pour ne pas s'emmerder. Voilà, les gars qui ont tenu bon sont là. Voilà. Le sommeil, mais la lutte reste. Ouais, ouais, voilà. Sans oublier Dylan Pingé là. Bon, Newman, elle dormait, elle n'a pas écouté le verdict parce qu'elle allait nous faire un plaidoyer tout de suite là. Dans le style américain. Et bon, ok, je vais arrêter la caméra. Oh, mais là, si on arrête la lumière, on ne voit pas. Là, tu es comme Ngongongo. On supporte la lumière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Les deux ont été plus ou moins acquittés. Ouais, les deux ont été acquittés. Oui, avec des sommes à payer. Avec les sursis. Et Tony va payer les 100 millions. 100 millions? Mais donc ça veut dire qu'est-ce que Ali Ben Bongo va encore compromettre, comment on appelle ça même, répondre ou quoi, je ne sais pas pour te français des juges là qui nous embrouillent là. Qui va amener Ali Bongo? Il sait très bien qu'Ali Bongo, Ali Bongo à côté. À la Sablière. Voilà, personne, ils sont tous incapables d'aller chercher Ali Bongo, il ne faut pas nous fatiguer. Oh, on va voir la RGS. Ah. Il veut l'envoyer la RGS à lui le chercher. Personne ne va le chercher. Donc il va payer la somme. Et puis, c'était de ses biens confisqués. Confisqués. Voilà. Ok. En tout cas, il retrouve sa liberté avec 10 ans d'emprisonnement. Comme il a fait 4 ans. Ouais. Voilà. Voilà. Pareil au ligne. Non, c'est 10 ans d'emprisonnement avec souci. Il a eu un appareil au ligne. Hein? Le sommeil. Sommeil. Ah, tu es encore dans les gens. Tu le vois pas déjà, tu as le petit tambour. Il attend 6 heures. C'est la première fois que j'ai assisté à un tel truc depuis 9h du matin jusqu'à aujourd'hui. Le Gabon, c'est bon, hein? Je suis témoin de l'histoire en direct. Ah, ok. Voilà, voilà Mingue le journal. Mingue et Réfi. Vous avez, le conseil a duré toute la nuit, là, je suis complètement sommé. Mais non, en réalité, là tu as découché. Tu as découché. On a découché. Oh. Mais en tout cas. Et demi hors de chez soi, c'est découché, non? Mmh. Donc là, tu as découché avec Dylan Ping. Ouais. Donc finalement, ils sont pas sérieux. Là, ils sont pas sérieux. Et en plus, j'ai ajouté le nom de qui? Dylan Ping. Dylan Ping. Comment ça aussi tu t'appelles Dylan Ping? Ping, c'est quel nom? Oh. C'est un nom américain. Mais tu veux quoi? Qui prend quoi? Ali. Voilà le A Combessi Junior. Bon, ouais, le monde. Le monde est là. Le peuple. Le peuple est là. Voilà. En tout cas, nous on est fatigués. Hein. Donc il y a le compte rendu là. Claire Human va vous faire ça étant chez elle. Elle a un bureau. Elle va ouvrir les portes de son bureau à 9h. Avec le. Avec, elle a dit que le, c'était quoi? Coca-Cola ou quoi, je ne sais même pas ça que tu buvais la fois dernière là. Non, c'était pas le small, c'était au small. Tu buvais le coca ou. Non, moi je ne bois plus ce coca. Ah bon, hein? Pourquoi? Ça t'a fait quoi? Ah non, moi c'est pas un coca. Ah ouais? Ça le goût d'un coca. Le coca World. Ouais, coca World. World Coca. World Cola. World Cola, non, non, non. Je bois maintenant, juste maintenant attaché à small. Au small, ok. Donc là, tu vas prendre un small, tu les fais le compte rendu. Tranquille, j'ai fait le compte rendu aujourd'hui dans la journée. Ah, ok. Tranquillement, tranquille. Ne vous en faites pas tout en détail, vous savez que j'ai le compte comme ça. Ouais, ouais. Mais Mingue, prenez les notes là.
Oui, oui, mais là, j'ai plutôt enregistré. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment enregistré pendant que je dormais. J'ai enregistré. Donc, le gros congolais que je vais vous faire aujourd'hui, là. Voilà. Et tu étais aussi dans la salle d'audience. Là, j'étais en esprit. Ils ne comprenaient rien. Donc, ce qui est bizarre, c'est que. Donc, ce qui est bizarre, c'est que. De hier, de vendredi à samedi, c'est pour lui dire que non, il peut partir à la maison. Oui, en fait, maintenant ils ont quand même des grosses amendes à payer. Hein. Oui, mais donc c'était seulement pour les deux, pour les quelques phrases là. Les comptes de tenir, les comptes de. Non, faut pas dire ça, faut pas se. Mais il peut aussi nous dire que non. Ah bon, hein. Je l'ai. Et puis, il paye 100 millions d'amendes, je crois. En tout cas, pour les femmes célibataires, vous êtes habitués à dormir chez eux, donc c'est pas un problème. Pour les femmes mariées, vos maris ont de coucher aujourd'hui. Voilà. Les femmes célibataires n'ont pas le droit de demander d'explication. Les femmes mariées, vous allez nous expliquer. Vous avez dormi où? Voilà. Les gens sont toujours connectés à l'heure là. Ils ne sont pas nombreux. Ils ont 9. 14. Il y a 14 personnes. Encore, à Ounia. J'ai l'impression qu'il y a eu des mariages ici. Hein? Oui, effectivement, il y a eu des mariages. Ouais. Tu as fini par te mettre en couple avec du Lamping. Avec, non, ça c'est mon bébé. Mon bijou, C'est quoi avec un gars de jeu? Oh, les gars de jeu, ils ont l'argent. Oh, 9 pardon, milliards. Les pings comme vous, comme ça. 9 milliards. Les peignes à faux. Tu n'as pas entendu 9 milliards. Les peignes à faux. Mon bien. Les peignes à faux, les radins. Jamais. Ah, depuis que Omar est mort, là, vous nous insultez. Hein? Bon, mettez-vous en couple. Les deux qui ont les chemises blanches là. Donc si tu vas au désert, eux ils vont faire le savon. Agro Gabon. Ouais. D'accord. On attend une libère là, moi je prends ma voiture. On se dirige vers Folle. Mais là on va où? Là on va où? Quoi là, chacun de nous rentre. Parce que tu voulais faire. Je me suis dit qu'il devait avoir un feu de camp avec le café et puis. Oh. C'est une libération, hein. Tu as vu, non, il y a quelqu'un qui disait que non, elles aiment les gars du G2. Que les filles fassent les gars du G2. C'est là. Si vous voulez, vous pouvez vous amener à la table. Non, peut-être que c'est les gars du G2 qui aiment les filles. Oui, mais prenez pour vous. Non, on n'est pas pressé, pardon. On ne peut pas prendre les balles perdues. Laissez-les quand ils seraient posés. On va descendre, pardon. On est arrivé. Oh, pardon. La Toyota. Moi, je suis garé là, tu es là. Ferme. Ferme quoi? Non, tu es parti. Et le peuple, faut pas se dire, parce que là, il est encore un peu sombre. Et sinon, il y a des gens ont tenu bon. Moi-même, si je n'ai rien mangé pour mes frères là, mais je suis quand même venu écouter, savoir comment ça se passe. Parce que dans 5 ans, je serai aussi détourneur de fonds publics. Ouais. Donc, je prends les cours. Les techniques. Le caille-caille ou quoi? Pourquoi? Nous tous, là, on va détourner les fonds publics. Tu vas détourner les fonds? Dans 4 ans, je vais détourner les fonds publics. Non, faut pas le dire. Voilà. Non, il blague, vous savez, c'est quoi? C'est lui qui a mis. Non, non, oh. Stéphane! Dans 4 ans, je détourne les fonds publics. On m'amène aussi là-bas. Bon, condamner l'esprit. Tout à l'heure, et tout, ce n'est que du matériel, quoi. Rien de gros, la thérapie. Voilà, je pense que là, il faut encore quelques
Mengue journal, tu es dans le Congo ça. Oh oh. Elle a mis la robe de la bonne année pour venir au tribunal. Son immeuble, l'immeuble quoi, l'immeuble de la société, qu'est-ce qui est. À part, en tout cas, c'est un peu ça. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, je dormais. J'ai toute la peine de. Elle a mis la robe de la bonne année pour venir au tribunal. Celle-là, elle a mis la robe de Noël. Tu prenais note. Je prenais les notes avec mon téléphone. Je vais faire le travail et tout. Donc je vais écouter ce matin, tout à l'heure. Moi, je vais m'en maman, s'il te plaît, tu es célibataire. Voilà, vous voyez, tu es côté. Je cherche une femme célibataire. Pour marier. L'emprunté. Un bien, on dort quelque part. À Cocotier. À Cocotier, ça va. Non, pardon. Ça va, les fantômes. Voilà. Le frère, le frangin Blas. Voilà, est-ce que tu vas le faire là? Je crois qu'il est encore avec les Romains. Tony Onoba, pareil. Ah, il a encore que les journalistes là-bas. Hein? Oui, oui, il y a des journalistes qui les ont. Oh, mais pourquoi ils nous bloquent alors? Nous sommes les journalistes. Tu fais l'accréditation. Mais ma fille, tu as découché? Tu as découché? Oh! Il était mon gars. Ton gars, va te... tiens, tape ça, filme là-bas. Filme, filme, parle, parle. Elle va dire quoi? C'est le chap-chap. Tu as pu terminer, c'est tout. Oh, il est 5h. C'est la première fois. En fait, c'est. Il est 5h. Il est 5h du matin. Donc là, nous sommes au niveau du tribunal de Libreville. Nous sommes là depuis 10h, vendredi à 10h. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, ma soeur Claire, la soeur c'est terminé. Elle allait se mouler dans la salle de vœux. Dans une salle d'audience. On a quand même profité un peu de l'esprit Ngori. Je ne voulais rien raconter. Le contribuable du tribunal, on a dormi un peu à l'esprit. Et ça, c'est à 6h du matin, lors de la délibération. Ah, c'est à central. Je commence à se mouler. L'esprit est à central. Voilà, délibéré et tout. On l'a mis dans la centrale, le split là c'est la centrale. De 10h, oui, de 10h à 5h. Vendredi à 10h. Ou 5h du matin, samedi. Donc là, nous sommes au niveau du tribunal, voir le véhicule des agents. Comme vous voyez avec moi là. Là c'est la famille qui est là debout. Ils sont satisfaits de rentrer avec leurs faucheuses, avec leur famille. Donc, vous voyez, c'est une chose de la vie. On avait écouté le message du procureur qui disait que dans la vie, il faut être humble. Lorsque vous êtes à côté du pouvoir, il faut bien vous comporter parce qu'on ne sait pas où on va se retrouver demain. C'est ce qu'on demande à beaucoup de personnes, d'être humble dans la vie. Parce que le pouvoir, il y a beaucoup de moralité. Il y a des limites dans le pouvoir. Donc, lorsqu'on est dans le pouvoir, le verdict est terminé. Monsieur Junior Abaga, le verdict est terminé. Vous allez suivre ça en différé dans le journal. Les journalistes ont dormi ici. Hein. Le travail des journalistes, c'est compliqué à être journaliste. Vous avez des TP qui ont dormi là toute la nuit. Donc vous voyez que c'est compliqué. De l'autre côté là-bas, c'est la forêt, là c'est la démocratie. Et tout le monde sont satisfaits, les parents sont là avec les jumelles. Ils vont entrer en famille tout à l'heure. Donc, comme vous voyez. En quelque sorte, un peu ce résumé. Eric, t'es-tu le sanglier câblé? C'était un peu sur la à ce genre de pratique.
Les amis des jours heureux ont fui, ont abandonné leurs frères. Lorsqu'ils seront nommés dans les jours à venir, ils vont revenir demander, chercher des postes. Là, les amis des jours heureux ont fui, ont abandonné leurs frères. Quand ils vont entendre qu'ils sont nommés, ils vont revenir à siéger devant les maisons des autres. Les pauvres situationnistes. La vieille. Qui sont les coupables, la truche? On dit non, il n'y a pas de coupable. Le coupable, c'est Ali Bongo. C'est lui le coupable. Vu que, c'est lui le commanditaire. Voilà, tout ce qui a été, le désordre qui a été fait au sommet de l'État. On avait un président, c'était Ali Bongo. Donc, c'est Ali Bongo le coupable. Il doit payer de rendre compte de ses actes. Vu qu'il n'était pas au tribunal, on considère qu'il est sûrement encore en train de faire sa grève de la faim. Mais le tribunal, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, Bla est passé, Tony est passé. Dieu merci, sont libres par la grâce de Dieu. Et espérons que monsieur Ali Bongo aussi passera parce qu'il doit rendre les comptes. Vu qu'il a 15 comptes bancaires au Gabon. Donc, on ne sait pas combien d'argent il a à l'intérieur. Il a 15 comptes bancaires. Oui, oui. Donc, il a beaucoup d'argent. Oui, c'est ce qui a été dit au bar. Il a beaucoup d'argent. Il n'est pas comme toi et moi. On n'a pas les mêmes soucis. Bien sûr qu'il fait la grève de la faim. Mais comment il a 15 comptes bancaires, il fait la grève de la faim. Mais tu sais que c'est la matrix au sommet de l'État quand il était. Ah. Celui qui a fait la grève de la faim au Gabon, je me rappelle, c'était Ben Mbamba. Tout le Gabon a vu, nous sommes allés filmer. Mais il n'avait qu'à faire la grève de la faim devant son portail. Moi, je prends la natte, je viens aussi l'accompagner. Lui fait la grève de la faim à Big. En Big, dans la maison. Dans la maison. Qui a vu? Et il a au caviar. Ah, peut-être il en a vu. Hein. C'est, moi, ils ont les. C'était un bon petit. C'était un bon petit à l'époque. Il était dans le poteau. Regardez, il a mangé. Vous n'avez pas invité les autres. Aujourd'hui, il a fait la vie fidèle. Hein? Les gens sont fidèles à lui. C'est les musulmans. Les musulmans. C'est les musulmans qui ont là. Mais c'est un musulman, il ne faut pas. Il ne peut pas manger. Il est musulman. J'ai bien dit les musulmans. Oui, Salem, c'est Salem. Donc, tu es musulman, son nom c'est Salem. Qui dit ça? Mais dis-le. C'est Salem, c'est un musulman, son nom c'est Salem. Oh. Donc, tu dis que dis à la personne qu'il arrête de prendre les comprimés. On a dit d'arrêter de prendre les comprimés. Donc, son nom c'est Salem. Il arrête de prendre les comprimés. Ah, donc Dylan prend les compliments. Dylan, arrête de prendre les compliments. Ah, c'est fort. Hein. Quel beau pays. Les gens jouent avec l'argent comme ça là. Mon frère, moi j'espère. Parce que moi si je me lave là, je vais plus dormir. Oui, moi je me lave avec l'eau chaudirette. Ouais, non, là il faut que tu aies l'eau glace. L'eau là, le matin, l'eau là, c'est de l'eau. On était là, on était dans. Dylan, lui, il était là. Moi je cherchais Dylan. Oh là, demi dans la centrale là. Tu as la fourchette qui était à l'intérieur. J'étais allongé là. Tu as la fourchette là. Oh, là, ça, c'est la centrale. Ça m'a fait barrer. J'ai senti que centrale. Là, ça devient maintenant trop fort. Là. Non, mais non, toi, t'es reposé. Vous pouvez quoi? Danaï. Non, on est les machines tous. Là, tu dis quoi? C'est toi qui es venu sans buffet. C'est pas toi qui vas rouler. Non, non, si. Non, tu as un chauffeur. Jamais. Je n'ai que 48 ans. Le garçon, c'est que je connais, on donne pas sans dire. Il n'y a pas, il y a même pas. Il y a un hommage qu'on lui dit. Mais il a son nom. Il y a un tombe. Boum. Donc tous les musulmans seront invités. Quand Ali Bongo sera au tribunal. Je ne veux qu'entre la boule et la télé. Je veux même que elle n'est pas du jour. Mais quand je suis un musulman. Les tailles là aussi, vous avez pris les tailles là. Oh. Non, si toi tu as la taille. Voilà, il bilaille. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'on a dit ici. Comment elle m'offre la gueule de la femme. Comment elle m'offre, c'est Hugues, mes femmes. Mais quand il dit,
Tranquillement, tranquille. Grand matrice. Mais Hugues, mais tu sais. Tu vois, il y a les morts vivants, non? Les morts vivants au Gabon. Donc, il essaie de nous partager sa petite expérience. Espérons que c'est vrai. Mais on va aller rendre visite au grand. Ça fait longtemps, quand même. Dans sa voiserie. Dans sa voiserie. On va passer devant son portail. On va voir le... Ngunda. Ngunda. Il a oublié les... Non, il a oublié rien. Il y a les Ngunda. Ah, les gars, j'ai faux. Il y a les Ngunda. Donc, quand vous parlez là-bas, quoi, les gars, bon, il y a les Ngunda. Il y a les citations directes. Par voix d'ici ou bien par l'avocat. L'avocat, pas la taga. Celle-là. Celui-là. Claire. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078,
Vous prenez ce que vous voulez. Tu viens de parler de se débarrasser de la forme. Mais après, vous payez vos factures avant de partir. Voilà. Oui. Je suis comme pas la pote. Vous allez manger la ricotta. Comme vous voulez faire la reverse à la faute, vous allez manger la ricotta. Coupé, coupé. Vous allez manger la ricotta avec le kounou et les gâteaux. Coupé, coupé. Bonsoir, s'il vous plaît. Vous avez pris mon numéro, non? Prenez mon numéro et tellement vous pouvez me faire un dépôt. Hein? Vas-y, maman. C'est le 0,67. 28. Ça, là, on ne peut pas faire d'argent. Quand j'ai dit, là. Mon frère, c'est l'étude en argent. Tu as fait économie, hein? Ah, en plus. Il n'a qu'à faire économie. Même là, la maison, elle ne peut pas payer le sel. Parce qu'il faut qu'on fasse de l'économie. Il faut qu'on fasse de l'économie. Chérie, le sel est terminé. Oui, elle t'appelle. Oh, regarde, maman, si tu as un véhicule, va à la station pétrole là. Tu prends le cabine à moi, non? Ouais. Tu donnes maman mon numéro de téléphone. Il a bien en blanc. C'est le notable de Kembo. Toujours en babouche, Adidas. Non, ça c'est pas Adidas 45 000, ça c'est Adidas 5 000. Les Adidas 45 000, c'est sport. Ça c'est le top top. Mais est-ce que tu es au courant que c'est Adidas qui a offert à boire à tout le monde hier à manger? Oh, Tosi. Tosi. Tosi, laisse ça. Il a les problèmes, mon frère. Il a pas les problèmes. Il a les problèmes d'argent. Il a pas de diplomatique, tu vois qu'il va avoir les problèmes. Quoi? C'est depuis que c'est débat avec David Mberoukoumou. Il a la carte. Le passeport diplomatique. Oui, c'est le petit David Mberoukoumou. Mais au fait, c'est vrai, on nous dit que non, tu es le chauffeur préféré de David Mberoukoumou. Le meilleur chauffeur de tous ces gars. Il est ponctuel au travail. Il est venu comme ailleurs. Non, il a dit qu'il est fatigué d'être véhiculé. Là, il est venu comme il a pas pris un nouveau chauffeur pour le moment. Ah ouais? Parce que Dylan Ping a tout fait les papiers pour au Canada. Il a dit, tu réponds au téléphone, réponds quand tu appelles. Et il écrit ça sur Facebook, hein? Je crois qu'il a pris la Kembo. Il a pris, mais il m'a même envoyé. Il dit à Thierry, comment envoyer? Alors, regardez, il a lui. 12 000 livres. Non, c'est pas n'importe qui. Il a parlé de monoposé politique. Ah ouais, non, lui quand il chauffe, tu ne peux pas. Il dit les gargotes, c'est les beverries. Et quand les gargotes, c'est les beverries de la couche. Donc à venir ici, tu se tenir. Donc là, c'est le matin. Ah oui, les gars, le jour s'est levé sur nous. Hein. Ah. Ah. Ils ont mangé la langue, santé, dormi chez eux. Voilà. Et il parlait de ça à la couche, hein. Que les gens qui ont mangé son argent, qu'il a donné l'argent, ils sont allés dormir chez les femmes. Moi-même, passe même 100 francs, il m'a jamais donné. Même 50. Mais je suis là. Même 50. Parce que je sais qu'il a pigé sa peine. Et le gars, aujourd'hui, il est malade. Je me suis dit, bon, c'est quand même un compatriote. On s'est battu. Et la guerre est terminée. Il faut quand même s'embrasser. Tu n'as même pas vu les boxeurs. Les boxeurs, c'est dame, à la fin du combat, des balles, ça va aller. Ils s'embrassent, donc c'est comme ça. Donc là, je suis en train de faire la paix avec tous les gars que autrefois. On était sur le combat. Voilà. Donc là, c'est comme à la fin. Non. Là, il a dit que. Le truc, c'est lundi, hein. Pourquoi? Le prochain truc, c'est lundi, non? C'est. Je vais côté ça. Je vais dormir. Judith, il revient ici jeudi, lundi, non? Lundi et jeudi. C'est tout? Toi, tu étais où? Tu le mets, hein? Ah, c'est normal. Je vais profiter quand même un peu d'esprit du tribunal. Pour la centrale. Faut fraîchir. Ceux qui n'ont pas les sens d'ambiance, ils peuvent dormir sur moi, ils seront contents. Ils vont devenir bêtises. Pour l'esprit, il faut fraîchir. Voilà, donc vous avez compris que là, on a dormi ici, c'est le dernier live de la journée. Ah, et où c'est le premier live de la journée. On se dirige maintenant à Paul. Là. Comment le coup coupé, on va à Paul. Là, on est tous fatigués là. Voilà. Ah, Dylan Ping ne peut que t'amener au coupé coupé de Kembo. Il va t'amener où? Oh. Il va mettre sa gourmette là en gage. Sa gourmette en argent. Ah, c'est le semaine de 8 millions de la Gève. Ah bon? Oui. Qui les paye ça?
Ils prenaient ça où c'est? Ils avaient un trésor, ils avaient un trésorier dans une maison. Ils avaient quoi? Je ne sais pas son nom. Pardon, excuse-moi papa. Il est payé. Lui, il restait avec la facture, et il n'avait pas les factures. Il restait avec le reçu. Non, il n'avait pas les bulletins, les bulletins de salaire. Il avait les reçus, il avait un carnet. Et comme les bords des centres là. Ah, on appelle ça prime de chômage. Prime de chômage. Chômage politique. Plus de chômage politique. Les gars, vous êtes pauvres quoi. Alors, vous avez mangé le pauvre argent cadeau, hein. L'argent du contribuable. Il avait 500 000 par mois. Hein. Il te dit qu'il a peur, David, tu es où? David dit qu'il dit que viens, tu fais la fête. Assieds-toi au restaurant. David dit que on mange, on boit. Ils n'ont même pas qu'on termine le premier repas. Allons, change de coin. Mais comment tu es au cheval, tu veux faire à manger, tu fais le champagne, il dit non, mange. Mange. Le Père Noël est arrivé dans la maison. Mais lui qui les paye, tu sais quoi que lui qui les paye là, il était payé lui-même à 5 millions chaque semaine. Ah bon? Oui. Et c'était qui les payait? J'ai oublié son nom. Hein. J'ai pas laissé l'eau dans ce là que j'ai pas laissé. Je ne sais pas. C'est là qu'il faut que c'est le meilleur de ce bail-là, vous ne pouvez pas qu'il n'y a pas les gens. Bon, arrêtez là on est là, c'est que parce que les gars sont quoi à l'intérieur, quoi. En train de, avec la presse internationale, c'est ça, non? Mais il faut continuer à faire l'accréditation pour que tu puisses faire l'interview. Non, hein? Non, pourquoi? Il n'y a pas d'accréditation. Il faut avoir l'accréditation. Non, on n'a pas l'accréditation. Il n'y a que le forfait. Mais man, il ne faut pas se dire, hein. Les Gabonais ne sont pas trop sur les médias. Ouais, n'est pas. Parce les gars, tu vois que les gars qui sont là connectés, là, toi, ils vont se lever pour regarder vos chaînes Maboul là. Tout ça, les mensonges, ça a commencé à décourager les Gabonais sur la télé. Tu vois, même le grand Hugues Messi, même mes fans, toi, il est là. Le tabouret du boulanger. Même le Boulangana. Boulangana, ou ah ouais, Boulangana. Le tabouret du Boulangana. Ah bon, hein? Oh! Oui, c'est Tata Bédi. Oui, Tata Bédi, tout d'abord, était Boulangana. Ah bon, hein? Tata Bédi, oui, on a... Ah, je crois oui, que... Oui, c'est Tata Bédi. Je crois qu'elle était le tabouret de... C'est Boulangana, c'est Tata Bédi. Boulangana veut dire quoi? Il m'a fait sur le trèpe. Ah bon, hein? Mec, c'est le trèpe. Bon, les filles, rentrez bien. Je t'appelle tout à l'heure, vers 16h. Hein? Vers 16h. Ah, grâce à tu as vu, non? La seule chose que Dieu m'a donnée, c'est la beauté. Et les garçons du gymnase, moi je ne peux rien. Je n'ai pas encore les moyens, mais ça ira. Ouais, c'est la dame du restaurant. Voilà. Oh, le procès a duré toute la nuit. Quand je pense que je suis là ici depuis hier, le vendredi à 10h, là aujourd'hui nous sommes le samedi, il est pratiquement 6h, on est là. Non, moi je ne voulais pas qu'on me parle de ça. Je voulais entendre moi-même vivre les réalités. Et puis ça fait longtemps que je suis allé dans un groove. Donc je me suis dit que bon, aujourd'hui là quand même, on fait un groove avec les frangins. C'est vrai qu'on était ici nombreux là, hier, hein, mais on a terminé peu. Hein. On dit, voilà pourquoi on a dit qu'il y a toujours peu d'élus. Beaucoup d'arrivées, peu d'élus. Voilà, beaucoup d'arrivées, peu d'élus. Voici les élus. Il a pris la machine. Dylan Ping, la machine, le notable de Kembo. Le seul qui a reconnu quand même avoir. Le seul à avoir reconnu quand même avoir mangé quand même quelque chose. Non, il a dit ici qu'après Eyegen Dong, c'est lui. Ah bon. Pour juger le Kembo. Le deuxième en lycée, moi. Voilà. Je ne suis pas prêt. Pourquoi? Tu es citoyen gabonais? Tu es citoyen gabonais, pourquoi tu n'es pas prêt? Je suis encore jeune. Tu es jeune comment? Avec le temps, ça viendra. Ah bon? Oh, mais ils ont commencé jeunes. Hein. Ils ont commencé jeunes. La politique n'a pas les générations spontanées. Ils ont commencé étant jeunes. Mais bon, attends, on a dit que non, vous, quand vous étiez au PDG, toi, tu étais la panthère noire, non? Tu étais dans la panthère noire, donc ça veut dire que tu peux. C'est ça qui nous initie.
tu peux y assumer, tu peux assumer. Oui, c'est toi-même qui parle. C'est toi-même qui parle. Chaque fois, il voit par le pape. Alors, ici, non, toi, tu étais à la Panthère Noire, non? La Panthère Noire, on était allé. Non, moi, je suis avec toi. Toi, tu étais là-bas avec Ping. Après Ping, tu es allé chez Ali. Alors, tu es rentré dans la Panthère Noire? Ah, les beaux frères. Tu es rentré dans la Panthère Noire? Il a fait les beaux frères. Alors, il est rentré dans la Panthère Noire? C'était même le gardien du temple de Kembo. Le gardien du temple. Ouais, de la Panthère Noire. Beaucoup d'appels. Beaucoup d'appelés. Ouais, beaucoup d'appelés et un peu de lui. De lui de Kembo, il est fatigué. Il a dit qu'il fait des enfants, il va faire cadeau au deuxième. Le procès du deuxième. Les gars, ouais, non. Non, c'est pas comme ça. Là, on est au tribunal. Bon, c'est le tribunal. Le tribunal Hinsbre Gabon. Gabon Hinsbre Tribunal. I speak English, Monsieur Dilamping. I speak English. Make news. On va prendre le trip. Bah, c'est pas bon le pain c'est ça boule au ventre. Voilà. Avec les jus. Peu d'appeler. Faut pas m'appeler le grand David. Hein? David était là hier, il faut qu'on l'appelle pour. Il y a son dernier aussi. C'est le meilleur journaliste et l'activiste. Qui est David Bergouma? Non, là c'est une foire. Il a comment eu. Non, lui c'est une foire. Lui c'est 12 000 livres. Il dit comment que. Il dit quoi? Les monoposés politiques. Sans base électorale. Et il a la bouche. Ils sont capables du pouvoir pour avec encore des béveries. Depuis que Dylan avait lui, Dylan n'apprend même rien de tout ça là. Non, mais il n'est pas concentré. Il est connu, mais lui, c'est la voiture. Est-ce qu'il est dans les béveries? Il est la voiture, il n'est pas concentré. Imposante. Ah, les gens mangent là, les gars là, ils sont dormis dans les maisons. Et mon petit là, il aime les restos. Hein. Mais c'est les gars, les restaurants, c'est les célibataires. C'est des célibataires. C'est que le soir, il est temps qu'il y a une idée de se manger pour couper. Il parle du jour que tu vas le couper. Quand on est au PDG, on a le droit quand il est venu au PDG. Là où tu peux couper, c'est le type quoi. C'est le seul. Débien, pourquoi l'Angala chauffe? Laisse-les partir, on va nous libérer. Non, peut-être qu'elle veut arranger. Non, mais on te met contre bien. Isa, elle sait que c'est compliqué, il fallait garder en bas. Non, ils avaient fait tout ce temps. Le véritable problème, c'est qu'à un moment donné, tu comprends, eux, ils sont dans les boulots, ne les emmerdez pas. Non, je veux dire. Moi, maman va tuer Galère, j'ai posé. Non, toi, tu peux pas. Laisse-les faire le voiture. Non, laissez-les faire le voiture, pardon. C'est un véhicule, ils sont son véhicule là-bas. Non, je vais pour le bruit, pardon. Il avait les bons sons. Là, il avait les mal. La machine. La maquette pour tromper le peuple. Quoi. Mais c'est quand même quand tu regardes, quand tu étais dans le mouvement, ouais. Il avait la mouvance. Tu disais que c'était un monsieur jamais. Mais sauf que le pays ne développe, on ne développe pas le pays. Mais il y avait même l'ambiance dans le maboulisme. Et après, c'était des grosses sommes comme ça qui sortaient. Un milliard. Le dit que son fils se trouve à Suzuki. Non, c'est son petit véhicule, là, c'est le petit, là. Ils ont mis l'alarme. Ça, c'est le véhicule.
On va être plus compliqué. Adra, 151. Adra, pour l'État, c'est 151. Non, c'est qui prend comme ça là? Le gars, il a la voiture, comment? Là-bas. Il peut faire comme ça, il faut la voiture. Il faut la voiture. Bon, la famille, c'était un petit live chap-chap pour vous dire qu'on a dormi ici, on a passé le temps avec les frangins. Là, ils sont encore au niveau de... Ils sont encore à l'intérieur du tribunal. Donc, moi, je vais couper mon live parce qu'il doit me reposer. Voilà, donc... En tout cas, la news, c'est que... Ils sont libres. Mais, condamnés avec... avec suicide, hein. Et a payé 10 ans. C'est ça, c'était 10 ans, non? 10 ans. Et puis, 1 million, 1 milliard. Ah, de toutes les manières, je m'en fous. Hein? 5 millions. 5 milliards. 5 milliards. La crise, c'est 5 milliards. Et l'autre, là, c'est 1 milliard. Ah, c'est ce qu'ils avaient eu. Non? C'est ça qu'il a payé. Non, ce qu'il a payé, c'est autre chose. C'est ça qu'ils vont imposer. Et puis on va prendre l'autre là, la maison, son bâtiment. Mais parce qu'il a compté avec elle. Voilà. Mais c'est pas l'or. Ouais. Mais dans les 5 milliards, mais est-ce que l'État va aussi va donner ça au peuple? Mais quand on récupère le peuple, quand tu vas avoir de l'eau, là, c'est ah non, moi je vais avoir ça dans les poches. Paye la bouffe des enfants. Je vais avoir ça dans les poches. La bouffe des enfants, l'eau, les routes là, c'est là. Minal. Mensonge, là, du mal. N'importe quoi. Oh, les révélations, mon frère, qui va rentrer dans le dossier des révélations là, pardon. Minal, ça veut dire quoi? Non, Minal, ça veut dire que mensonge. Mensonge, là. Ouais. Révélation, tu veux que je rentre dans le dossier des révélations? C'est qu'ils ont révélé qu'il y avait les fleurs au paradis. Le PDG Nga. Hein?